régénérés par sa parole. Un parcours en commun à la découverte de la Bible sur le thème Réveil et Réforme. Chaque jour, retrouvez un commentaire correspondant au chapitre biblique. Commentaire de Proverbe 24 du mardi 28 janvier 2014. On commence avec des nouvelles de la mort à l'angle de la rue d'où je vis. C'était une jeune fille avec trois enfants âgés de 6 ans à 6 mois. Marc, le mari, a été diagnostiqué de cancer. En moins de 6 mois, il est mort à leur domicile, dans les bois de Beth. Plus tard, Beth a perdu son emploi. Puis une tornade est venue quasiment aplatir leur maison. Pour couronner le tout, l'un des enfants a été diagnostiqué avec une maladie nécessitant des soins constants. Quelle situation impossible! Aujourd'hui, Beth est remariée, un homme pieux qui est un merveilleux mari et père. Tous vivent heureux ensemble dans une nouvelle maison. Bien que j'aime beaucoup les fins heureuses, ce n'est pas la vie nouvelle ou le nouveau mari de Beth qui m'a révélé la force de son expérience. C'est sa confiance inébranlable en Dieu à travers les bons et les mauvais moments. Pas une seule fois, pendant les moments difficiles, je l'ai entendu se questionner sur sa vie, ou abandonner, ou se plaindre. Pendant tout ce temps, elle a toujours su qu'elle ressusciterait, si je peux m'exprimer ainsi, et que les mauvais moments étaient seulement un recul temporaire. Car sept fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Proverbe 24, verset 16. Prenez courage, ce n'est pas seulement un proverbe avec une belle sonorité, c'est la vérité testée et approuvée par des milliers qui ont connu les pires moments de leur vie sur terre. Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, tu l'as guidé à travers les moments difficiles. Tu es le Dieu de Moïse et des enfants d'Israël, et tu les as guidés dans les moments difficiles et à plusieurs reprises. S'il te plaît, guide ma vie. Donne-moi le courage dont j'ai besoin. Aide-moi à voir les promesses que tu as faites, car je sais que tu tiens tes promesses. Donne-moi le courage dont j'ai besoin pour traverser les mauvais moments et la foi pour vivre les bons moments. Amen. Commentaire de Sylvia Fowler-Klein, directrice de marketing, Hope Channel, traduction, Annecy Bonnefond. Régénéré par sa parole. Un parcours en commun à la découverte de la Bible sur le thème Réveil et Réforme.